En fait, que connaît-on de l'univers? Que connaît-on de la vie? Que connaît-on de l'existence? Eh bien, à mon sens, on ne connaît rien. Parce que tout ce que nous savons, c'est ce que nous avons appris. Et nous avons appris cela à partir de nos expériences, à partir de la vie que nous avons vécue. Et on a mémorisé tout ça. Et on en a fait des conclusions. Et les conclusions que l'on a, ce sont des croyances que nous avons gardées pour pouvoir exister à nouveau dans les moments où on n'est pas sûr. Donc, on se fait des conclusions et ces conclusions nous rassurent. La pensée se réitère. Après avoir appris quelque chose, elle le réitère. Elle nous donne un sens, une direction. Comment agir, comment se comporter par rapport à ce que nous avons appris. Tout est appris. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on a appris selon nos expériences, selon nos conditions, selon nos rituels, selon nos sociétés, selon nos religions, selon ce qui a été mis en place. Nous avons l'idée de ce que c'est la norme. La norme établie, elle a été créée par nos conclusions. Donc ces normes, ces conclusions, ces idées que l'on a sont devenues nos guides. Ce sont des schémas de pensée tout à fait schématisés dans nos esprits et qui se réitèrent à chaque fois qu'il y a une situation qui émerge, tous ces schémas de pensée se réitèrent. Et elles se réitèrent en tant que certitude. La conclusion, c'est une certitude. Quand on pense devoir faire quelque chose pour arriver à son but, il y a une certitude que l'on doit exercer pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, la pensée te donne, te réitère quelque chose que tu as conclu, et cette conclusion est ancrée dans des pensées. Les pensées deviennent un dogme, que tu cultives à chaque fois, et ce sont ces pensées qui viennent et dicter la route, dicter le comportement, dicter ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, pour pouvoir exister dans un monde où l'aspect est en remue-ménage, où tout le monde pense à sa manière, où tout le monde a ses schémas de pensée, a ses conclusions. Donc, on est dans un monde où il y a une bagarre d'idées entre celui qui pense de cette manière et celui qui pense d'une autre manière. Et ça crée de la rivalité dans nos échanges, dans nos relations, parce que nos relations sont faites de ce que le passé nous restitue. Donc le passé n'est pas une réalité. La pensée que tu as, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu peux savoir, n'est pas une réalité. C'est quelque chose qui est limité par rapport à ce que tu as appris. Et ce que tu as appris devra encore être élaboré pour pouvoir devenir quelque chose de complet. Mais cette complétude ne vient jamais puisque toujours tu as quelque chose à apprendre. En fait, tu ne sais rien. Et croire, avoir la certitude de quelque chose, et que tu le refourgues
à quelqu'un en lui disant c'est ça le but de la vie, c'est ça comment la vie elle devrait être, c'est ça le sens de la vie elle est comme ça, eh bien ce serait se mentir à soi-même et aux autres. Parce que finalement, on ne sait que ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris ne peut pas être quelque chose de statique. Parce que tout change. Tout est en changement perpétuel. L'univers, la vie, tout ce qui arrive est en changement perpétuel. Si tu fais une conclusion là-dessus, cela devient une croyance. Et une croyance, c'est quelque chose que l'on élabore en soi pour pouvoir se rassurer de l'inconnu. Cette immensité, cette ignorance que l'on est, a besoin de se rassurer en se prouvant à lui-même qu'il y a quelque chose. Il y a une existence de quelque chose que je m'identifie avec. Et quand tu t'es identifié à cette chose que tu as pensée, que tu as décrite comme étant parfaite, comme étant ce que tu aimerais faire exister, alors ce n'est que ton désir que tu inventes et que tu mets en... de sorte le prôner comme étant une évidence, comme une certitude. Tout ce que tu penses être certain est le résultat d'une conclusion que tu as faite dans ta tête. Mais il n'y a rien de certain. Tout est en changement. Et nous resterons ainsi à être confronté à une immensité qui est d'une perception infinie et qui ne peut pas avoir tout son impact sur ton action. Parce que l'action, justement, elle est basée par la connaissance de ce que tu as appris. Alors, est-ce qu'il existe une autre action qui est au-delà de tout ce que l'on a appris, est-ce que l'esprit peut être en contact avec ce qui est immense, ce qui est éternel, ce qui est inimaginable? Est-ce que l'esprit peut se défaire de ses conclusions pour s'approcher de cette immensité et découvrir à chaque instant pour pouvoir avoir une action qui justifie vraiment une grandeur qui va au-delà de toute ta compréhension. Parce que sans cette action, le monde se répète de la même manière. Tu es tout petit avec ton petite imagination, ta petite croyance, toutes tes petites conclusions que tu te fais. Ça reste tout petit. C'est un grain de sable dans tout l'univers. Tu es un grain de sable dans tout l'univers et tu regardes l'univers à travers ton grain de sable et en imposant ton grain de sable à tout le reste des éléments dans l'univers pour qu'ils puissent être comme toi. Non, l'univers ne peut pas être mis dans un grain de sable. On peut penser que c'est possible. On peut croire qu'il y a quelque chose de grand, de merveilleux. Mais ce n'est que la croyance, qu'une idée qui rejoint beaucoup d'autres idées qui sont semblables et qui va ne jamais être une réalité en soi. Est-ce que la vie, elle peut être en soi une réalité et non une idée, non une conclusion? Mais la vie elle-même. Et justement manifester cette grandeur d'instant en instant sans que les schémas de pensée interfèrent
sur la réalité de ce que, de ce qui se meut à l'intérieur de toi à chaque instant. Parce que ce qui se meut, c'est-à-dire la vie, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, nous la contraignons avec nos conclusions. Nous mettons une conclusion sur ce qui se passe en soi. Et ce qui se passe en soi, alors, est identifié à ce que l'on pense. Et ce que l'on pense limite toute chose. Et ce que l'on pense, ce sont nos croyances, nos désirs, nos envies. Nos envies de nous rassurer de quelque chose de bien plus grand que nous avons peur d'en faire connaissance. Parce que face à toute cette peur, à toute cette grandiosité, cette immensité, cet infini, face à cela, toutes tes conclusions n'ont aucun sens. Et doivent être abandonnés pour pouvoir acquérir quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui englobe toute l'humanité, tout l'univers, pas seulement le point de vue d'un grain de sable dans l'univers. Voir l'univers à partir de l'univers, parce que l'univers, c'est toi-même. Mais tu t'es donné une conclusion. Donc, tu n'es plus l'univers, tu es le grain de sable. Mais ce grain de sable est faux et pas vrai. C'est une idée que tu te fais de tout ça. Donc, sortir de l'idée te permet d'être libre pour explorer ce qui est infini.